Sauvera des vies, de vraies vies. C'est concret, c'est réel. On sait qu'on a fait quelque chose de bien. Alors on se raccroche à cette idée et on rejoint la boucherie.
ennemi est droit devant. On sait que ce combat sera pas facile. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Mais en vrai, on n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Ennemis repérés! Laissez-nous passer à l'attaque! Alors que nous, on n'aurait quasiment rien en retour.
Laisse-le partir, petit frère. Idrissa, est-ce qu'on a gagné? Ils ont tous fui. Alors, sauf s'ils ont changé les règles du jeu. Waouh, on a gagné. On a gagné? Cessez le feu! On a gagné. On a gagné! On les a eus! On les a battus! On a gagné! On a gagné! Surveillez les arbres là. Rassemblez les armes et les munitions. Idrissa, attends. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Viens, on y va. Il faut qu'on continue là. Faut te reposer, petit frère. Tu es vivant. Peut-être ils nous donneront une médaille de... Mais il faudrait prendre ces canons pour recevoir une médaille. Démé, on n'a pas de commandant. On ne peut pas avancer sans soutien. Tu en es sûr? Idrissa, tu es comme moi, allons. Allons les combattre. J'ai une famille. Des enfants. Mais regardez-vous. On a déjà fait mieux que les meilleurs soldats français. Alors je vous pose la question, de quoi d'autre sommes-nous capables? Si on avance, et si on neutralise ces canons, les livres d'histoire parleront de nous, de la reconnaissance, du respect, pour nous, pour nos enfants. Alors on va prendre ce poste, et leur montrer à tous qui nous sommes vraiment. Allons-y! Allons-y! Allons-y!